Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir activer le courant de la map Moer d'Ertoten et comment vous allez pouvoir débloquer le Pack-a-Punch. Alors c'est très très simple parce que tout simplement, le jeu va vous guider à faire ces deux étapes. Donc jusqu'au Pack-a-Punch, vous allez être guidé par des points d'intérêt. Il suffira juste de suivre les points d'intérêt pour allumer l'électricité et faire le courant. Donc premièrement, ce que vous allez devoir faire, c'est choisir entre deux chemins. Donc je pense que les deux chemins s'équivaut. Peut-être qu'il y a un chemin qui coûte un tout petit peu moins cher que l'autre, mais je ne suis pas sûr. Donc moi je suis parti d'un côté, après vous n'êtes pas obligé de partir du même côté que moi, vous faites ce que vous voulez. Alors à ce moment-là, vous pouvez remarquer que je croise un zombie électrique. Donc je tue le zombie électrique pour justement récupérer le fusible. Mais ce n'est pas obligatoire, parce que tout simplement parfois il ne spawn pas, donc je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est parce que j'ai pris ce chemin-là qu'il spawn. Mais s'il ne spawn pas, ce n'est pas grave. S'il spawn, là vous le tuez et vous récupérez le premier fusible pour l'électricité. Et ensuite vous continuez votre chemin et vous allez jusqu'à l'interrupteur de l'électricité. Alors quand vous êtes près de l'interrupteur, vous activez la manivelle. Là, ils vont vous dire qu'il manque deux fusibles et à droite de la manivelle, il y aura justement une plaque qui va s'ouvrir où vous allez pouvoir rentrer les deux fusibles. Alors logiquement, si vous avez déjà tué le zombie électrique une première fois, ben, vous avez déjà un des deux fusibles. Donc le jeu ne vous indiquera pas deux cibles, mais une seule cible. Donc vous allez devoir vous rendre près de la deuxième cible et ensuite éliminer le zombie électrique pour récupérer le fusible. Donc quand vous avez les deux fusibles, vous allez les placer à côté de la manette de l'électricité. Juste à droite, il y aura un emplacement où vous allez pouvoir placer les deux fusibles. Quand vous aurez placé les deux fusibles, ben là vous actionnez la manette et là vous aurez activé le courant. À ce moment-là, quand vous aurez activé le courant, vous allez avoir deux nouveaux points d'intérêt sur le jeu. Donc les points d'intérêt vont vous indiquer le Pack-a-Punch. Il vous indique tout simplement deux chemins. Donc vous choisissez le chemin que vous voulez pour vous rendre au Pack-a-Punch. Quand vous arrivez au Pack-a-Punch, là vous allez devoir affronter l'éther noir pour prouver que vous êtes digne du Pack-a-Punch. Donc vous interagissez avec le Pack-a-Punch et là vous allez devoir directement tuer le zombie spécial. Alors ce zombie spécial s'appelle le zombie disciple. Alors la particularité de ce zombie, c'est qu'il peut se régénérer si maintenant vous le laissez drainer les zombies. Donc en fait il va récupérer la vie des zombies pour justement se régénérer lui-même. Donc il faut que vous le tuez le plus rapidement possible. Ensuite, ben, vous tuez tous les autres zombies et là, vous aurez accès au Pack-a-Punch. Alors, il faut savoir que le zombie disciple va respawn dans la map au fur et à mesure que les manches passeront. Donc, vous en aurez de plus en plus. Mais ne vous tracassez pas, vous aurez toujours accès au Pack-a-Punch dès que vous l'aurez débloqué une fois. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao! Peace.